Charles Blégoudé était hier l'invité de Sans Réserve avec Ali Diarra Souba, qui s'est rendu à La Haye pour une interview exclusive de NCI. L'ex-leader de la galaxie patriotique, avec son franc-parler légendaire, a dit sa part de vérité sur l'actualité politique ivoirienne. Retour sur cette interview avec l'avis de quelques Ivoiriens. L'ex-chef de la galaxie patriotique, Charles Blégoudé, qui était poursuivi à La Haye aux Pays-Bas, devant la Cour pénale internationale, à la suite de la crise post-électorale de 2011, était mardi soir sur les antennes de NCI. Une sortie attendue après l'obtention de son passeport ivoirien. Un sésame qui annonce son retour dans son pays natal, où il entend prendre toute sa place. L'ex-prisonnier de La Haye, dans cette interview avec Ali Diarra Souba, n'a éludé aucun sujet. De la réconciliation nationale à son éventuel retour à Abidjan, en passant par son avenir politique. J'ai quitté Abidjan sous fond de crise, sous fond de conflit. Je vais y retourner sous fond de réconciliation et de paix. Demander pardon à tous les Ivoiriens. Je suis acteur politique. Ce sont nos actions qui ont fait en sorte que notre pays s'est retrouvé dans cette situation. Je suis mouillé de sagesse. Je suis mouillé d'une autre vision, d'une autre approche de ce que mon pays vit comme situation. Une interview largement suivie par les Ivoiriens. Ça va dans le sens de la réconciliation. C'est ce qu'on cherche dans ce pays. Dans ce pays, il faut dire que les fils du Nord, du Sud, Ouest-Est se réconcilient. La Côte d'Ivoire sort de la crise. Et la Côte d'Ivoire a besoin de ses fils et tout le monde. Et c'est la main dans la main qu'on peut construire la nation. J'ai vu en jeune Blégoudé une valeur national, sinon international, je ne m'y attendais pas. Je pensais que c'était Blégoudé d'hier, mais aujourd'hui, il nous a démontré qu'il est mieux politiquement, intellectuellement, sur tous les plans. Pour cet enseignant-chercheur en sciences politiques, la sortie de Charles Blégoudé a révélé sa maturité politique après 10 ans de prison. J'ai trouvé un homme mature. Un homme mature qui, effectivement, a eu une attitude séduisante vis-à-vis de, justement, de son projet pour la réconciliation en Côte d'Ivoire et une attitude séduisante vis-à-vis des autorités politiques ivoiriennes. Et donc, il a eu un discours conciliant, il a eu un discours apaisant et, en fin de compte, il a reconsidéré sa position vis-à-vis des autorités politiques ivoiriennes. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, CPI, a confirmé en mars 2021 la décision d'acquittement de l'ex-président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, et de son co-accusé Charles Blégoudé dans l'affaire de crimes contre l'humanité perpétrée lors de la crise post-électorale ivoirienne de 2010 à 2011. Laurent Gbagbo est depuis juin 2021 en Côte d'Ivoire. Je rappelle que cette interview de Charles Blégoudé vous sera proposée à nouveau demain à 20h10 et le dimanche à 16h30 sur NCI. Vous pouvez la trouver également sur les différents réseaux sociaux de NCI.